Bonjour à tous les amis, vous allez bien, tranquille, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage avec vous des conseils, un truc que j'ai hier avec Bolt. C'est un client qui a commandé, c'est un faux client, entre guillemets, qui a commandé à Paris 16e pour aller à Orly. Moi, j'avais une course prévue à Orly et malheureusement, j'ai pas pris cette client parce que ils ont essayé et il a passé comme un client. Et après, il m'envoie des codes, des messages sur la page du client. Il me dit qu'en quoi on est. Je travaille avec Bolt et j'ai besoin de votre email et votre numéro de téléphone parce que un passager il a demandé qu'en quoi vous, c'est pas vous dans la photo de le profil de l'application. On a besoin de vérifier, alors on a besoin de votre email et votre numéro de téléphone. Ça veut dire qu'ils ont essayé de pirater mon compte. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire attention les amis, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Je crois l'application Bolt, elle était piratée, la grande application Bolt. C'est pour ça, jamais de la vie, vous donnez votre numéro de téléphone, votre email à quelqu'un qui vous dit oh, je travaille chez Bolt, non, je travaille chez Uber, jamais. Parce que Bolt, ils ont votre numéro de téléphone, ils ont aussi votre email. Si vous avez un problème avec un chauffeur ou avec un client, c'est eux qui vous appellent par téléphone. C'est pas par. Ils utilisent la page du client. C'est n'importe quoi. Mais par contre, malheureusement, il y a beaucoup de chauffeurs qui tombent. C'est-à-dire qu'ils envoient un code sur WhatsApp. Et après, le chauffeur, il envoie le code. Et votre compte, il est piraté, il est bloqué. Et vous allez attendre 2 semaines pour être débloqué. Et cette arnaque, il prend tous les documents que vous avez sur l'application Bolt. C'est pour ça, attention les amis, sur l'arnaque. Dans l'application Bolt, parce qu'il y a des gens, ils commandent sur l'application et après ils vous envoient des messages sur l'application. J'ai les capteurs d'écran ici, je vous dis tout ça que vous m'avez envoyé, comme quoi je travaille avec Bolt. On a remarqué comme quoi, là, je ne sais pas comme une histoire, j'ai oublié, mais j'ai les capteurs d'écran, comme quoi c'est pas vous dans la photo, c'est pas vous le même chauffeur que vous avez pris un client, etc. C'est-à-dire, ils utilisent des messages pour que vous dites « Ah, je fais vite, sinon mon compte va être bloqué. J'envoie l'email, j'envoie le numéro de téléphone, après votre compte, il est piraté. » C'est pour ça, les amis. Je voulais commencer avec ça, comme ça, les gens qui regardent juste un petit peu dans la vidéo, au moins, ils regardent cet article parce que c'est très important. Il faut faire attention à l'arnaque les amis, parce que vous risquez de que votre compte soit piraté et bloqué. Les pirates là, ils cherchent les informations, ils cherchent votre compte bancaire, ils cherchent le RIB, ils cherchent votre pièce d'identité, ils cherchent tout ça. Il est dans ton application, c'est à dire dès qu'ils piratent ton compte, c'est à dire ils ont tout. C'est pour ça les amis, faites attention à ça. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, voici mon WhatsApp. Là, cette histoire, c'était hier, vers 9h du matin. J'étais à Paris 6e. J'avais un client privé à 10h, 9h55. Et je dis, comme ça, je ne pars pas vide à Orly. Comme ça, je prends un client Bolt et tout. Et ça sonnait. Et ce n'était pas un bon client. C'était un faux client parce qu'ils ont essayé de prendre mon application, de m'arnaquer et de pirater mon compte. Mais quand j'attendais un peu des histoires chez Bolt la dernière fois, quand j'ai parti, il y avait un monsieur qui son compte il est piraté parce qu'ils ont demandé de l'envoyer un code par WhatsApp ou donner son numéro de téléphone. Après, il reçoit un code et le code là, tu l'envoies à eux. Dès que tu envoies le code là, ton compte, ça y est, il est piraté. Il peut faire qu'est-ce que veut avec ton compte. Après, c'est toi qui vas démerder
de la débloquer. Si vous avez fait du chiffre d'affaires la semaine-là, peut-être il est parti parce qu'ils ont toutes les informations. Ils peuvent changer même le RIB, ils peuvent changer. C'est des gens très forts. C'est pour ça, les amis. Faites attention à ça. Et merci à tous. Et voilà, là on commence. Là, il est dimanche, le 28 avril, 9h du matin. Je commence ma journée aujourd'hui un peu tard. Et j'ai trois réservations avec mes clients privés à Orly. Deux à midi 10 et un à 14h30. Les deux à midi 10, on est deux personnes à l'affaire. Moi et mon cousin. J'ai donné la course à mon cousin de midi 10. Et en même temps, je voulais parler aussi de un groupe WhatsApp de course. Si vous êtes intéressés, mes abonnés, d'intégrer mon groupe. Pour l'instant, je n'ai pas encore des courses privées. Je n'ai pas beaucoup. Parce que quand je n'ai pas beaucoup, j'ai essayé de gérer mes clientèles privées, moi et mon cousin qui travaille avec moi. Si j'ai beaucoup, c'est vous les premiers, c'est mes abonnés. J'ai déjà créé le groupe. J'ai mis des amis que je connais grâce à YouTube. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça. J'espère que ça va venir. Beaucoup de travail parce que là, j'attends un contrat avec deux agences en Espagne, à Madrid et à Cadiz. Et dès que j'ai du travail, je mets les courses dans mon groupe en premier. C'est-à-dire mes gens de confiance en premier. C'est pour ça, les amis, je voulais parler de ça aussi. Si vous êtes intéressés pour tester, peut-être. J'allais voir beaucoup de travail, peut-être moi, je ne sais pas encore. J'ai bien commencé à voir un peu des clients privés, de chercher des contrats, parce que je cherche à gauche, à droite, parce que là, je n'ai marre de travailler 100% avec l'application, parce que vous avez vu les prix, vous allez travailler 13 heures, 14 heures de taf pour 150, 180 euros, ce n'est pas rentable. Vous tournez même pas 7 euros l'heure. 10 euros, je parle de le moment là. Il y a des gens, j'ai un abonné qui m'a appelé hier sur WhatsApp, il m'a envoyé un audio. Con quoi, est-ce que c'est normal? Il m'a dit, je bosse 11 heures pour 170 euros. Je dis, toi, t'as de la chance, mon ami. J'ai machallah, j'ai au moins, toi, tu fais 170, 180. Mais il y a 10 jours, moi, je tourne à 10 heures, même pas 150. Parce que quand t'as pas des clients privés, t'as pas des bonnes courses avec les applications. Surtout, au ce moment-là, on est, comme je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire des VTC par rapport aux Jeux Olympiques. On est beaucoup. C'est-à-dire, quand il y a moins de monde, il y a beaucoup de chauffeurs. C'est, là, j'ai une course avec Bolt pour aller à Nier parce que je suis à Épinay-sur-Seine et m'approche vers Paris. Et j'ai l'accepté. Et c'est 10 euros net. 5 km, là il a annulé, c'est pas grave, c'est voilà. Et voilà, et c'est pour ça, les amis, je dis avec les applications, c'est un peu compliqué. C'est pour ça, les amis, il faut toujours chercher la solution d'intégrer les groupes, d'intégrer, de chercher des contrats. Ça, c'est des conseils que je donne parce que j'aime bien aider mes abonnés, j'aime bien aider les chauffeurs. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Si vous êtes intéressé. Il y a des conditions à respecter, c'est-à-dire tenue pro, voiture propre, badge pro, TPE, les assurances, photos de la voiture. Là, il faut m'envoyer tout ça sur mon WhatsApp pour valider votre compte. Parce que sans ça, je ne peux pas vous aider et je ne peux pas vous intégrer dans le groupe. Voilà. Et après, Duc, imagine, vous avez rentré dans le groupe et après, vous pouvez aussi. Je peux vous aider à intégrer les autres groupes qui ne sont pas à moi, parce que je connais des admins que vous pouvez vous intégrer. Mais par contre, il faut montrer votre expérience, il faut montrer si vous êtes sérieux, comme quoi aussi, ça, c'est avec le temps, on le voit. Parce que les gens, ils vous connaissent, dès qu'ils vous donnent des courses, ils vous connaissent, est-ce que vous travaillez bien, est-ce que vous êtes propre, parce moi, je le remarque, parce que là, je prends des courses de groupe. Le mec, c'est son client. Il a son numéro de WhatsApp, il a tout. Après, il demande derrière toi, est-ce que le service, il était bien? Et le client, est-ce que vous êtes satisfait avec le service? Et le client, il peut dire s'il est satisfait ou pas. Quand il n'est pas satisfait, automatiquement, le gars, il vous supprime du groupe.
C'est-à-dire, il faut faire attention, les amis. Si vous allez intégrer des groupes, il faut être responsable, il faut être ponctuel. Des fois, vous allez prendre une course de Orly à Paris et vous habitez, on va dire, dans 82. Et vous n'avez pas le. Vous allez mettre sur l'application Destination Orly. Des fois, vous allez à vide. C'est comme ça le privé. Mais il paye mieux que les applications. C'est pour ça, les privés, il y a des avantages et les inconvénients. Les avantages, comme quoi tu as ton planning, les clients, c'est pas pareil. C'est des clients top, les clients qui te respectent, qui sont propres et tout. Mais par contre, ils sont bien payés. Des fois, tu fais des 3 courses. Il t'arrive déjà à faire ton chiffre. 4 courses, tu es déjà 200 euros des fois. Je te dis quand il y a du Disneyland Paris ou Paris Disneyland, tu as 2 allers-retours, ça y est, tu as 200 euros. Mais par contre, avec les applications, pour faire 200 euros, il faut faire au moins 15 courses à peu près. Parce qu'avec les prix là, c'est pour ça, les amis. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. C'est pas encore, comme je dis, à bientôt. J'ai cherché des contrats en même temps. Mon site internet, je mets de la publicité sur. Pour voir des clients privés. Dès que j'ai des clients, je partage dans mon groupe. C'est avec plaisir. Si je fais travailler mes amis, c'est déjà pas mal. Mais comme je dis, un peu de patience. Si vous êtes, comme je dis, moi je suis pas pressé. Là, je cherchais tous les jours des stratégies de trouver des clients privés. Petit à petit, je vois que je m'approche un peu. Ça prend du temps, c'est vrai. Pour avoir des clients privés, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut avoir des compétences, il faut parler anglais, il faut parler espagnol, moi je parle pas bien anglais, mais j'essaye un peu de prendre le marché espagnol, parce que quand j'ai grandi en Espagne, je connais un peu les Espagnols, je contacte les agences, et petit à petit, j'ai des contrats. C'est pour ça les amis, si vous êtes intéressés, vous pouvez intégrer mon groupe avec des conditions que j'ai dit. Si vous n'avez pas les conditions, c'est mieux de ne pas m'envoyer. C'est mieux de ne pas m'envoyer le message parce que vous n'allez pas rentrer. Il faut être, je suis clair avec vous. Si vous êtes intéressé, comme je dis, bâche pro, tournée pro, voiture propre et les assurances, carte VTC et TPE. Si vous avez ça, vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp et je vous intégrerai à les groupes. Dans mon groupe, il y a des gens aussi qui sont admins dans les autres groupes. Je les fais admins dans mon groupe. Il peut aussi poster les courses dans mon groupe. Voilà les amis, c'est ça l'avantage, c'est-à-dire on peut, plus tu as les gens qui ont des courses dans ton groupe, plus il y a du travail dans le groupe. C'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai rajouté 3 admins, 3 gens qui sont dans les autres groupes. C'est eux qui m'ont rajouté dans les autres groupes. Ils ont beaucoup de courses et je l'ai parlé avec eux pour qu'ils postent aussi sur mon groupe. Et dès que j'ai du travail, moi aussi j'allais poster dans cette groupe, les amis. Merci à tous, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer pour WhatsApp. Et troisième chose, je vous remercie, les amis, pour votre soutien, pour ma chaîne. Parce que vous êtes, franchement, vous êtes adorables. Parce que, avec les commentaires que vous mettez, que vous êtes là. Pour moi, grâce à vous aussi, je suis là et je vous remercie à tous les amis qui disent qui envoient des bons commentaires aussi pour les likes. Et je vous remercie à tous les amis qui ont utilisé mon code parrainage Bolt. Comme je dis, vous gagnez 100 euros après effectuer 20 courses en 14 jours. Il y a beaucoup des amis qui m'appellent pour le code parrainage. Les codes parrainage, ils sont tous dans la description. Merci les amis qui ont utilisé mes codes parrainage. Ça c'est franchement, c'est bien parce que au moins je mérite un peu de temps en temps un petit code parrainage pour le travail que je fais, pour les conseils. Et c'est pour ça dans ce cas, je vous remercie. Et après il y a un code parrainage aussi Uber que vous gagnez, ils ont changé là, vous gagnez 300 euros après effectuer 50 courses. Avant c'était 600 euros et maintenant c'est 300 euros. Je mets donc capteur d'écran. Si vous êtes intéressé pour les nouveaux chauffeurs, vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de cette code parrainage. Il est dans la description.
Mais par contre, avant de cliquer sur le lien de code parrainage, il faut créer un compte client Uber. C'est comme pour faire les commandes, comme des clients. Et après, quand vous avez votre compte client avec votre email et votre numéro de téléphone, là, vous rentrez avec mon lien et vous marquez en bas, j'ai déjà un compte. Et là, vous allez mettre un code parrainage qui est du Uber. Il y a un code parrainage dans la description. Vous rentrez d'abord avec le lien, vous connectez à votre compte et après, vous mettez le code parrainage. Comme ça marche le code parrainage. Sinon, ça ne marche pas. Avec Hitch, si vous avez fait Hitch aussi, vous allez gagner 150 euros en 7 jours. Il faut faire 30 courses en 7 jours. Voilà les amis. Et si vous cherchez une banque professionnelle aussi, vous allez gagner 2 mois offerts. Ça, c'est, je cherchais des partenariats pour mes abonnés pour que quand ils commencent, au moins ils gagnent un peu d'argent pour les assurances, pour la voiture, etc. Pour la banque professionnelle, moi j'ai une banque qui s'appelle Chain. Vous allez gagner 2 mois offerts si vous allez rentrer avec mon code parrainage. Voilà les amis. Alors. Et encore. Et si vous avez besoin de créer un site internet, j'ai un ami qui est partenarié avec moi. Et il a fait un bon offre pour mes abonnés, 599 euros pour la main-d'œuvre pour le site. C'est des sites professionnels. Franchement, rien à dire. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien aussi dans la description. Sinon, vous m'appelez, vous me demandez si vous avez des questions par rapport au site. C'est très intéressant. C'est une offre spéciale pour mes abonnés. Il l'a fait. Franchement, si vous voulez développer votre clientèle privée, il faut commencer d'abord avec un site internet. Et là, c'est l'opportunité de commencer à payer un site professionnel moins cher de marché. Moins cher de marché. Vous cherchez sur Google création de site, vous allez voir les prix. Là, il a fait un prix spécial. Prix pour mes abonnés. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer par WhatsApp. Et je vous envoie le lien. Il est aussi dans la description. Vous appelez mon ami Hamid. Ahmed, pardon. Vous le dites, vous venez de ma part. Moi, je suis Hassan, YouTube. Et là, vous pouvez payer en 4 fois. Et franchement, c'est une offre spéciale. Il ne faut pas la rater. C'est pour ça, les amis. J'essaye toujours de vous ramener des choses pour que vous avancez dans votre travail. Le monde de VTC, il y a trop de concurrence, mais il y a beaucoup de travail. Si on sait choisir un peu les secteurs qui nous ramènent du travail, les stratégiques, pardon, qui vous ramènent du travail, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'argent. Mais par contre, nous, on ne connaît pas, on commence avec les applications. Et les applications, c'est les dernières choses à faire dans le VTC. Ça veut dire, le VTC, c'est un monde, un grand truc, que les applications, c'est 5%. C'est-à-dire 100% de VTC. La partie des applications, à peu près, c'est 5% des pourcents. C'est-à-dire 80%, il y a, on va dire, 25% les taxis, mais les privés, ils ont pris un gros marché. Moi, je le vois à Orly, quand ils arrivent des avions, des grands avions et tout ça, presque la moitié des clients, ils partent en privé dans les vans, les Mercedes, les berlines, Eco. Il y a beaucoup de gens parce qu'il y a un grand marché qui travaille avec le privé. C'est pour ça, les amis. Nous, on ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas ça avant. Là, je découvre à chaque fois. Dès que j'ai commencé les privés, là, je vois, je dépose des questions aux clients où vous avez commandé. Il y en a qui commandent chez Booking. Il y en a d'autres qui commandent sur Civitatis. Il y en a qui commandent sur Trivago. C'est-à-dire, il y a beaucoup de concurrence. Mais par contre, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça. Les amis, la première étape pour faire du client privé, il faut faire votre site internet et de mettre la publicité Ads, Google Ads, etc. Et là, vous allez voir votre clientèle privée. Il faut investir un peu pour travailler. Il faut investir. C'est pour ça, les amis, je vous donne un peu des conseils que vous allez faire pour intégrer votre clientèle privée pour ramène votre clientèle privée
C'est pas facile, mais petit à petit, vous allez faire les choses mieux. On fait tous des erreurs. Moi, j'avais fait beaucoup d'erreurs. Je me rappelle, quand j'ai fait Google Ads, j'avais mis que le monde entier regarde mon site et je reçois des messages en Afrique du Centre. J'ai payé une fortune, mais c'est pas grave parce que j'ai commencé, je connais pas la campagne Google Ads, c'est moi qui l'a fait. Et par contre, à la place de choisir Paris, Île-de-France, j'ai marqué tout le monde. Et quand j'ai mis tout le monde, la publicité Google elle tombe sur tout le monde. Et il y a beaucoup en Afrique du Centre qui me demandent, monsieur, est-ce que vous avez du travail pour nous? On est en Afrique et tout. C'est-à-dire les erreurs que je fais, mais là, je ne fais plus. On apprend un peu. Et là, je marque sur la campagne à Google Ads, je laisse les professionnels le faire. Moi, je ne le fais plus parce que je ne connais pas trop. C'est des erreurs qu'on fait. C'est pour ça. Mais je n'ai pas laissé tomber. J'ai continué encore. Et là, je reçois mes clients privés de temps en temps avec le site. Mais à bientôt là, je vais mettre la publicité Google Ads. Et c'est ça l'occasion pour que j'avais créé le groupe WhatsApp. Parce que je dis, si j'ai beaucoup de travail, il faut que je partage avec mes abonnés, avec mes amis aussi. Mais par contre, il faut qu'il y a les amis qui sont intéressés, il faut qu'il y ait des conditions. Tenue pro, voiture propre, carte VTC, les assurances, la photo de la voiture et le TPE. Tout ça, on l'a. Tous les gens qui font des VTC, qui font du privé, ils ont ça. Tous les gens qui font du privé, ils ont ça. Si vous n'avez pas toutes les conditions, c'est pas la peine de m'appeler pour que vous intégrez le groupe. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux. Et aussi, il y a une autre. Parce que quand vous acceptez une course, vous ne pouvez pas l'annuler. Ce n'est pas comme application. Si vous l'acceptez, vous dites oui, c'est pour moi. Ok, vendez pour toi, il faut la faire. Il faut débrouiller, il faut la faire. Sauf s'il y a un accident, s'il y a un problème, là vous m'appelez à l'avance et là je cherche un autre chauffeur. Mais c'est pas, j'ai oublié tout ça, ça marche pas. Si j'ai oublié, c'est pas bon. Parce que là, le client il a payé un service, il faut qu'il te le fasse. Sinon, si tu as déjà, par exemple, si t'as pas fait bien le service et les clients ils ont fait une réclamation. Là, tu dois payer une indemnité au client. Ça, c'est le privé. C'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai envoyé un chauffeur pour mes clients. Et les clients, ils ont fait réclamation parce qu'ils ont dit la voiture, elle n'était pas propre. Ils ont demandé un remboursement de la moitié de la course. Et c'est moi qui ai payé la moitié de la course. Parce que c'est ma responsabilité. C'est-à-dire, la course. C'est moi qui vais la faire. J'ai donné à un ami. Mon ami, il n'a pas nettoyé sa voiture bien. Et là, c'est moi. Mais après, quand je l'ai payé, je lui ai envoyé des messages et la réclamation. Je l'ai payé qu'il a moitié. Voilà. Merci à tous les amis. Et j'espère que vous aimez bien cette vidéo. Si vous aimez bien, vous la regardez jusqu'à la fin. Et vous n'oubliez pas de liker. Vous abonner, je vous remercie à tous et je vous dirai à la prochaine. Et désolé pour le retard, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, presque un mois. Et là, je suis prêt à faire de temps en temps des vidéos pour mes abonnés. Et merci à tous et ciao et bon courage. Et à bientôt, on va avoir du travail si Dieu veut. Et à partir de 1er mai, Bolt il va augmenter les prix. Garantie 1 euro le kilomètre parce que là c'est catastrophe. J'espère avec on va voir ça avec le 1er mai, peut-être ça va être mieux. Si ça pas mieux, il faut bien choisir votre course. Ça veut dire les courses qui sont dans la perte, il faut pas la prendre parce que il faut pas travailler pour la station service et pour l'État. C'est-à-dire pour l'IRSAF, Bolt et tout ça, il faut rentabiliser votre course. Et là, il faut voir le prix au kilomètre. Et comme je dis toujours dans mes vidéos, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Il faut
voir toujours où il va le client, combien de temps et combien de kilomètres. Parce que là, je vois des courses que je reçois sur mon groupe de discussion sur WhatsApp. Tu as des courses à 60 km pour 35 euros. Ça, c'est quoi ça? Même 50 centimes le kilomètre, ça, c'est pas rentable. Mais malheureusement, il y a des gens qui le font. C'est pas mon problème. Moi, là, je donne juste des conseils. Si vous voulez le faire, vous le faites. C'est votre rentabilité. Si vous m'écoutez, vous pouvez changer un peu. Et moi, je préfère de pas faire beaucoup de kilomètres et de faire un petit chiffre, c'est-à-dire 100 euros ou 150 euros. Et j'ai pas fait beaucoup de kilomètres parce que même j'ai pas perdu beaucoup la valeur de la voiture. J'ai pas perdu beaucoup au kilométrage. J'ai pas perdu beaucoup en gasoil. Que vous faites beaucoup de kilomètres, vous faites 200 euros et vous allez terminer votre plein en 2 jours. Vous allez faire 3 fois le kilométrage que moi. Si on fait les calculs bien, moi je suis rentable avec 100 euros, 150 euros de chiffre d'affaires et vous êtes en perte avec 200 euros de chiffre d'affaires. Là, il faut voir bien la rentabilité. Moi, là, c'est les gens qui font des applications. Après, les gens qui font des privés, ils ont d'expérience, ils sont mieux que moi dans l'expérience. Moi, ça fait moi 4 mois que je fais un peu de privé, je suis encore nouveau en ça. Mais par contre, les gens qui font les applications, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup. Il faut regarder votre course, il faut regarder la note de client, il faut regarder où vous allez, il faut regarder plein de choses parce que sinon vous êtes dans la perte. Là, juste un exemple, la journée, moi je fais pas Paris-10e, Paris-9e parce que vous allez être bloqué là-bas. Même s'il y a une course, une belle course là-bas, je prends pas, je cherche pas à Paris-10e parce que vous allez rester 2 heures là-bas. C'est un exemple. C'est un exemple, les amis. Là, j'ai une course à. Voilà, pour aller à Paris 12e, comme ça il m'approche à Paris. En même temps, là, je termine la vidéo. Comme je dis toujours, les amis, merci beaucoup pour tout. Je vous dis à la prochaine, les amis. Et si vous aimez bien la vidéo, vous laissez dans les commentaires. Et si vous avez reçu des messages pour les pirates dans votre application Bolt, vous me le dites aussi dans les commentaires. Là, on essayait un peu de aider les chauffeurs pour pas tomber dans cette arnaque. Et vous me le dites dans les commentaires, les amis. Et merci et à bientôt. Et bon courage à tous, les amis. Bon courage, bon courage, bon courage à tous. Et si vous avez des questions, les nouveaux chauffeurs, vous connaissez mon WhatsApp. Je suis là pour vous aider quand je peux. Et désolé. Si je réponds pas à tout le monde parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut s'en occuper de travail, de la famille, des enfants et des abonnés. C'est-à-dire, il faut s'en occuper plein de gens et là, tu n'as pas le temps pour tout le monde. C'est pour ça, si vous n'avez pas de réponse plus rapide, je vous demande pardon parce que j'ai pas beaucoup de temps. Merci à tous et ciao!